Pourquoi Maisonneuve, c'est la meilleure école? Parce que les gens sont vraiment intelligents. 3 fois 9? 21. Parce que les gens sont vraiment intelligents. 3 fois 9? 21. OK. OK. Non, 5, 5, 27. Non, 5, 5, 27. When you try your best, but you don't succeed. Panda. I got broads in Atlanta. She took the lean to find them. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. Bonjour, aujourd'hui on est avec Bernie Birds Hotman. Allez, première question, c'est pour toi, ok? C'est quoi la capitale du Canada? Yo, Bob. C'est quoi la capitale du Canada? Run. Qu'est-ce que j'avais dit? La capitale du Canada, Bob. Oui. Word. Voilà, j'ai like ça. Ah bah il a dit voilà. Ah bah si. Voilà, ça marche. Hein. C'est 2014, c'est la street. Ottawa, rapidos. Si c'est pas ça, mon gars, j'ai volé un business. La réponse, c'est Ontario. Voilà, j'ai te kidnappé. Il m'a dit la réponse, c'est Ontario. Oh, j'ai te kidnappé, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est vrai que c'était Ottawa. Bonjour, aujourd'hui on est avec Ryan. Une douzaine d'œufs coûte 12 cents. Combien coûte 100 œufs? 200 cents. Une douzaine de coûte 12 sous. Ouais. Ok, 1200. 1200, hein. Ouais. C'est logique. Parce qu'une douzaine de coûte 12 sous. Donc un œuf coûte combien? Un sou. Donc 100 œufs coûte 100 sous, 1 dollar. Pas 1200, non? Yo, attends, voilà, tu me dis, je vais te niquer. Deuxième question, c'est pour toi, ok? Qu'est-ce que tu penses de Maisonneuve? Si t'avais un mot pour décrire Maisonneuve. Tombé! Ah, t'es. C'est ça. Ok, question pour toi. C'est quoi la capitale du Québec? Y'a pas de capitale. T'es sûr à 100%? Ouais. Voilà, je croyais pas que ça allait être aussi pire que ça. Alors aujourd'hui, on est à Maisonneuve avec Maya, John, Hafsatou, Flavie. Répète ton nom. Hafsatou. Ça commence bien. Alors, première question, on va la poser à Hafsatou. T'as une douzaine d'œufs, ça coûte 12 dollars. 100 œufs, ça coûte combien de dollars? Répétez la question, s'il vous plaît. Ok. Une douzaine d'œufs, ça coûte 12 dollars. 100 œufs, ça coûte combien de dollars? 100 dollars? 100 œufs ou genre 100 œufs ou 100 Ne mourrez, attends. What? 100 œufs, genre 0 œufs ou 100? 100 le nombre ou... Ah, la douzaine de 100 œufs. Ben, c'est 0. Zéro. Attends, là. C'est combien? Mais c'est pas zéro, genre la douzaine, 200 œufs, genre. Zéro dollar. Hein? Mais est-ce que c'est zéro? Ça, je sais pas. Ok, quoi? Ok, quoi? Au quoi? Attends, parle de quoi? Attends, attends, juste comme ça. Ouais. Ok, fait. Pour 12 dollars. Pour 12 dollars, tu peux pas acheter juste un seul. Non, mais c'est 100 dollars. Non, c'est 100 dollars. C'est plus, non, c'est plus que 100 dollars.
c'est il faut faire le calcul là, j'ai pas le temps de ça. En fait, il faut calculer un seul œuf, il faut combien pour après le faire fois 100 pour savoir le prix de 200 œufs. Wow. En fait, donc en fait, 12 œufs ça coûte 12 dollars, 12 œufs ça coûte 12 dollars, donc un œuf ça coûte 1 dollar, donc 100 œufs ça coûte 100 dollars. Une fois que je dis la réponse, tout le monde le savait. Mais c'est ça. Non, parce que t'étais pas genre clair. Explicite. T'as dit 100, ouais. 100 c'est genre S-A-N-S. Exactement. Ou 100, oui, c'est E-N-T. Non, c'est E-N-T. Alright, bonjour, aujourd'hui on est avec Dalia, Vania, Hanan. Première question, si tu devais dire pourquoi Maisonneuve c'est meilleur que Bois de Boulogne par exemple? Multiculturel, on a beaucoup de culture. Et Bois de Boulogne, il n'y a pas? Non. Il y a quel type de culture? Des Québécois. Oui, et? Il y a des Québécois. À moins que t'es à Bois de Boulogne? Oui. Bon, ben il y a toi aussi. Toute une culture à toi, à part entière. C'est la blague de la journée. Ok, question mathématique. Qui est bon en maths ici? T'es bon en maths? Je suis posé. Arrête. Une douzaine d'œufs coûte 12 dollars. 100 œufs coûte combien de dollars? Bah attends. 100 dollars, man. Mais non! Ah bonjour, aujourd'hui on est avec un homme très influent. Ok, dernière question. Hey! Oui. C'est quoi la capitale de Québec? Voilà, la demi, il n'y a pas de capitale à Québec. Voilà. Il y a un bébé noir qui vient de naître. Ses dents sont de quelle couleur? Blanche. Normalement, hein? Ben oui. Genre, parce qu'il y en a, je leur dis, genre, un bébé noir vient de naître. Ils me disent, les dents sont noires. Ok, mais elles sont pas noires. Sont de quelle couleur? Blanche. Et genre, ceux qui disent qu'ils sont noirs ou autres sont caves, hein? Ouais. Ils sont vraiment caves? Ouais. Et si je te disais que les bébés, quand ils viennent de naître, ils ont pas de dents? Oh, merde! Ah. Ok, là. Alright, bonjour, aujourd'hui on est avec Mohamed, Lansana, Félix. Alors la première question, une douzaine d'œufs coûte 12 dollars. 100 œufs coûte combien de dollars? C'est pour toi la question. 100 œufs. Passe. T'as cru que c'était un jeu télévisé toi? Ouais. Ok, deuxième question, c'est quoi la capitale du Canada? Ottawa. Et la capitale de Québec? Québec. Il n'y a pas capitale Québec. Les gars sont trop intelligents, T'es sûr, c'est ton dernier mot? Ouais, je suis sûr 100%. Comment t'as su? Genre, il y a des cons, ils répondent des réponses non, bizarres. Non, je sais. Toi, t'es pas con. Non, je suis pas con. Il n'y a pas de capitale au Québec, t'es sûr? Non, il n'y a pas de capitale. C'est bon, c'est ça l'important. Raconte-nous la meilleure blague que tu connais. Tu représentes Maisonneuve là, il y a tout le monde qui te regarde, ok? La meilleure blague. Comme parle plus fort. Il y a un jour, ouais. J'étais avec un de mes cousins, il s'appelle Moussa. Boring. Et après là, il a lancé un pot de yogourt dans le bus. Ouais, c'est bon. Maintenant How could this happen?
tu penses quoi des gens de Bois de Boulogne? C'est qui les gens de Bois de Boulogne? Le cégep Bois de Boulogne. C'est quoi le cégep de Bois de Boulogne? Je connais pas. C'est fini, c'est fini. Ok, bonjour, aujourd'hui on est avec Erika et Léa. Non, c'est quoi la capitale du Canada? Pas le droit de répondre. Ottawa. Ontario. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter une blague, s'il vous plaît, pour représenter mes enneuves? Oh my god. Non. T'as une douzaine d'œufs, elle coûte 12 dollars. 100 œufs, ils coûtent combien? 100 divisé par 12. Après, tu fais fois 12 dollars. Ah, mais il faut calculatrice. Tu peux pas faire le calcul dans ta tête? Redis-le. T'as une douzaine d'œufs, ils coûtent 12 dollars. 100 œufs, ils coûtent combien? 0 dollars parce qu'il y a aucun œuf. Oh, this nigga fucked up. What the fuck is this right here? Intelligent. Donc répète la réponse. 0. 0 dollars pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'œuf. Parce que 100, c'est pas 100. C'est 100, c'est 100. Next. Tu vas nous raconter la meilleure blague que t'as dans la tête. Tu représentes mes enneuves. Donc, je t'explique. Il y a deux mecs de Narbonne, ils arrivent. Voilà, je connais pas de blague, gros. Alors, une autre question à Hafsatou, comme ça. C'est quoi la capitale du Canada? Tu me stresses, oh my god. C'est vrai que C'est stressant. Puis c'est une question dure. Ouais, c'est ça. C'est quoi la capitale du Québec? Québec n'a pas de capitale. C'est clair, ça se voit, Québec n'a pas de capitale. Et ça, t'es sûr, ça? I guess, yeah. Ou peut-être Québec-Ville, ou Montréal, I don't know. Il y en a pas, hein? La réponse, c'était Québec. Québec-Ville. Ah, mais vous le saviez tous. Mais elle a dit, c'est ça, Québec-Ville. C'est qui le meilleur humoriste ici? Moi. Ok, raconte-nous la meilleure blague, là. Genre, tu représentes Maisonneuve. Mais genre, moi, je raconte pas des blagues. Non, je connais pas de blagues. Vas-y, viens. Okay. Voilà, on a un blagueur ici. Deux secondes. Que dit un squelette quand il se regarde dans le miroir? On sait pas. Faut que j'arrête mon régime. C'est nul. Faut que j'arrête mon régime. Arrête parce que c'était nul. Oh shit. Yo, arrête ça. Non, ça c'est over. Oh shit.